bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Cohen. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour préparer la fête des œufs qui aura lieu le 12 avril. Donc dans cette période du 1er avril au 12 avril, vous allez pouvoir récolter toutes sortes d'œufs que cette personne qui s'appelle Albin va nous demander de récolter pour pouvoir crafter des meubles, etc. Du coup, on va pouvoir récolter 6 types d'œufs si j'ai bien compris. On aura les œufs boisés qu'on va trouver en coupant du bois, les œufs minéraux en frappant dans des pierres, les œufs feuillus qui seront à la place des fruits sur les arbres, les œufs aériens dans des cadeaux, enfin dans des ballons avec des cadeaux, et les œufs terrestres sous la terre. Et là, il me manque les œufs à queue, je crois. Je crois que c'est ça. Donc on va aller tout de suite en pêcher, parce que j'en ai toujours pas pris. J'attendais d'être avec vous pour retrouver. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à pêcher un œuf, donc il s'appelle comment celui-là ? Œuf aquatique, voilà, plutôt. À queue, c'était plus les solutions en chimie, ça. Donc on va tout de suite refaire une canne à pêche parce qu'on va en avoir besoin, donc je vous retrouve juste après. Donc comme vous pouvez le voir aussi, c'est la période des arbres roses. Et ça, vraiment, je trouve ça super parce qu'il y a des pétales de cerisier qui flottent dans les arbres. N'hésitez pas à les attraper pour pouvoir débloquer des recettes de craft. Donc là, vous voyez, j'ai déjà débloqué le lit fête des œufs, le lot de ballon fête des œufs et la guirlande de fête des œufs. Elle est un peu mignonne, mais je sais pas, franchement, j'aime pas trop les tout ce qui est objet d'événements. Donc là, on avait déjà, bah là, on a celui-là. Mais je sais pas si vous vous rappelez, dans New Leaf, on avait la fête avec le dindon, là. Dindon, je crois que c'était, il nous donnait des meubles dindon bleu, turquoise, ils étaient assez jolis. Mais c'était pas trop mon délire, et c'est pareil pour les, par exemple, la collection ballon ou les collections œufs, j'ai jamais été trop fan. Donc écoutez, je sais pas si je m'en servirai. Je verrai bien, mais je crois que les meubles se rendent plutôt bien. Donc je vais essayer d'en crafter. Je vais essayer de voir, je vous dirai. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc ça s'affiche maintenant à l'écran, pour être au courant un peu de mes aventures. Donc également, on peut trouver des bouteilles à la mer. Donc il n'y en a pas ici, mais il y en a normalement sur, sur vos plages habituelles. Pour l'instant, je n'ai trouvé qu'une seule. Donc voilà, donc là petite, j'avais testé pour vous montrer pour les œufs minéraux, donc on les trouve dans les pierres. Je voulais attendre d'être avec vous pour pouvoir vous les montrer. Donc là regardez, il y a une petite pétale de cerisier qui flotte, il y en a plusieurs, donc je vais les récupérer. On va pouvoir faire des objets super mignons avec des petites pétales, genre des paniers de pique-nique il me semble, des petits trucs comme ça. Donc je les récupère, parce qu'on sait jamais, ça peut vraiment toujours être utile quoi. Donc là je sais pas si j'en aurai sur ma plage vu que j'ai les récupéré tout à l'heure. Mais en tout cas j'ai trouvé cette bouteille à la mer juste ici. Mon fragment d'étoile, donc en tout cas on va l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc ça ressemble à ça, message en bouteille d'œuf. C'est ton jour de chance, pour avoir ramassé cette bouteille, voilà une récompense qui te fera bondir. Un plan de bricolage tout prêt à servir, est-ce un porte-bonheur ou un gris-gris? Pour le savoir, file à ton établi. Ton ami à grande oreille. Tabouret fait des œufs. Oh, on va regarder ça du coup. Ah ouais, il est pas... pas mon délire. En tout cas, c'est pas pour autant que je ne veux pas participer à cette fête, que j'aime bien les événements comme ça, en plus surtout c'est le premier, donc écoutez... Écoutez voilà, par contre un fossile ici, ça me choque un peu, je m'attendais plus à un œuf terrestre, mais pourquoi pas. D'ailleurs aussi, vu qu'on est au mois d'avril, des nouveaux insectes, des nouveaux poissons sont apparus, donc n'hésitez pas à les attraper, à les pêcher, à faire vos petites emplettes niveau poissons et insectes, ça peut être important pour votre musée si vous voulez le remplir. En effet, la saison des Dayu et tous les autres poissons comme ça est terminée, donc je crois qu'il y a encore juste la truite dorée et les saumons massou. Mais en tout cas voilà, la saison du Dayu est terminée, du coup pour ceux qui ne l'ont pas eu c'est dommage, vous l'aurez sûrement en décembre, du coup il faudra être patient. Donc là vous voyez on a un ballon, mais celui-là c'est un ballon normal, donc c'est pas un ballon œuf. Je vais essayer de vous en trouver un des ballons œufs, mais il est vraiment très reconnaissable, il a la couleur de l'œuf, multicolore et tout. Donc franchement ça va, c'est pas très compliqué à trouver, en plus il y en a vraiment tout le temps quoi, c'est incroyable. Ouais, j'en ai pas encore vu, mais tout à l'heure j'en ai eu 4 d'un coup, je me sentais un peu suroppressée quoi. J'ai un truc pour toi aujourd'hui, tiens, prends ça. C'est un manteau, c'est ta capuche. Par contre, j'ai remarqué un truc. Mes habitants, depuis le début du jeu, ils me donnent que des trucs combinaisons ou des trucs longs, genre des manteaux et tout. Et je crois que c'est parce que depuis le début du jeu, je suis habillée avec des tuniques, donc des kimonos ou des trucs qui font tout le corps et pas deux parties, genre un haut et un pantalon. Donc je pense qu'ils te donnent un vêtement en fonction de ta tenue. Je suis pas sûre, hein, mais je pense que ça peut être possible. Bon en tout cas là je trouve pas plus d'œufs, donc on va tout de suite couper les arbres. Ah j'ai pris la perche, petit fail. Pour avoir nos œufs, donc là vous voyez j'ai eu un œuf boisé du coup. Bon, il y en a pas tout le temps, donc faut être un peu patient parce que c'est pas tous les œufs, c'est pas tous les arbres qui donnent des œufs quoi. Super ma petite hache qui se casse.
Évidemment, je n'ai pas une autre sur moi. Bah non, ça serait trop beau. J'ai de la chance d'en avoir prévu plusieurs d'avance, exprès pour ça. Donc je pense que je vais prendre un lance-pierre aussi parce que ça va vite partir. Je vais prendre un filet aussi. Je vais juste poser ça. Poser l'argile, j'en ai des masses, je sais plus quoi en faire de l'argile, c'est... C'est insupportable, j'ai presque aucun craft avec de l'argile et du coup bah je sais pas quoi en faire parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai presque tout le temps dans les ballons donc c'est un peu oppressant quoi. Hop, un deuxième œuf, c'est parfait. Donc pour l'instant j'ai récolté juste les œufs, je referai le tour après de ma ville pour enlever tout le reste parce que... Parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc là vous voyez, là ça que je vous parlais, il y en a pas beaucoup hein, des arbres comme ça. Donc écoutez, on va en profiter pour le prendre. Hein. Ça c'est les œufs feuillus. Donc ils sont dans les feuillages. Non, 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 j'ai fail, ils auraient réussi, non, mais j'ai fail. Bon, bah écoutez, on va rester comme ça le reste de la vidéo. J'espère au moins il y aura un œuf, ouais, je préfère. Parce que bon, me faire piquer et en plus ne pas avoir d'œuf, non, mais là, la honte quoi. Mais c'est une blague. J'en ai reprendu une. J'en ai marre. Mes outils, pas du tout très solides là. Bon, ça va que j'en ai plusieurs dans mon inventaire, mais quand même. C'est pas censé se casser aussi facilement, je vais reprendre deux, mais bon, ça me fait un peu casser mon stock de hache, quoi. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau, donc c'est le seul point positif de cette vidéo pour l'instant. Hop, encore un petit œuf. Donc là, je sais pas si ça va être un œuf terrestre ou pas. Non, c'est un fossile. Vous savez quoi, on va aller parler à un habitant pour qu'il me donne un remède, parce que là, franchement, c'est horrible à voir. Par contre, pile au moment où je fais la vidéo, il n'y a plus de... Bah, de ballons, en fait, alors que juste avant, il y en avait 50 000. Encore un petit fossile. Il n'y en a pas beaucoup des œufs terrestres, hein. J'en ai eu que 2-3 là depuis tout à l'heure. Ah voilà. Ah aussi, j'ai eu ma deuxième rose mauve aujourd'hui. Je suis super contente, elles sont vraiment super belles. Du coup j'ai hâte d'en faire plein et bah, d'en mettre partout dans ma ville quoi. J'ai vraiment trop hâte. Bon, moi personnellement là je cherche des œufs aquatiques. Parce que hier soir avec Pomme Vanille, Fluffy et mon meilleur ami, on a fait une petite session pêche. On a eu tous les petits poissons, enfin tous les petits nouveaux poissons d'avril, donc les poissons chirurgiens, poissons clowns et tout. C'était super cool, on s'est beaucoup amusé. Ah bah voilà, un petit œuf aquatique, c'est parfait tout ça. Ils sont gros quand même, enfin l'ombre est vachement grosse pour un œuf, je trouve. Bon après, pourquoi pas, mais je m'attendais à avoir une toute petite. Parce que hier j'étais chez Pomme Vanille et on a prié les étoiles filantes et du coup bah, j'ai eu plein de morceaux d'étoiles gardés encore un là sur ma plage. C'est grave cool. Et du coup je sais pas quoi en faire parce que j'ai toujours pas crafté de baguette. Ah mais j'en ai marre de me fail. Bon encore un petit up en tout cas, c'est le point positif de cette expédition à la mer. Donc pour l'instant j'en ai combien? Donc j'ai 11 œufs boisés, 5 œufs minéraux, 6 œufs feuillus. Ok. Bon écoutez, pour l'instant ça sort pas trop mal. Pour un premier jour, sachant qu'on a 12 jours, je vais me retrouver avec 40 milliards d'œufs après, je vais un peu voir flou. Je saurais plus quoi en faire, j'espère que ça se revend bien. Bah qu'est-ce que t'as Laurie? Yana, t'as aucune idée de ce que peut ressentir une future star du showbiz. Qu'est-ce que... Mais non... Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que cette vision de cauchemar? Hein? Oh c'est juste toi, ouf, j'imaginais déjà qu'une invasion de zombies venait de commencer. Mais Reynald il est énervé 2 minutes et après il s'arrête, genre à chaque fois qu'il est énervé c'est 2 secondes quoi. Ah j'ai pas compris pourquoi m'avait dit une vision de cauchemar, mais c'est parce que j'ai le visage tout défiguré. Je me suis dit bah super, je pensais pas qu'il calait autant la tenue, parce que c'est vrai que ma tenue est un peu... Ah mais non, mais là je suis vraiment bête, si elle fait tomber dans l'eau. Bon, on va peut-être regarder les crafts pour voir, parce qu'on va peut-être aller commencer à lui crafter ses matériaux. Ah bah écoutez, ça va. Ah mais c'est un œuf par truc, ok bah écoutez on va commencer à les crafter, on va aller le retourner... Attendez, c'est quoi ce papillon? Je crois que je ne l'ai pas. Il est beau! Super, tu as attrapé un... Brookiana. Ah le Brookiana, je me rappelle, ils l'ont bien... Il a un nom bizarre ouais pour un petit papillon comme ça, mais bon il est vachement beau. Bon du coup je disais, on va crafter ces petits outils, enfin ces petites décorations et meubles. Bon alors on va commencer avec la guirlande. Il faut un œuf de chaque. Heureusement que c'est pas 5 œufs de chaque parce que là franchement ça aurait été vraiment galère. Après il y a des œufs, j'en ai pas en masse hein. J'en ai pas des masses. J'espère en tout cas que les meubles se revendent plutôt bien. Pour qu'on puisse se faire du bénéfice, parce qu'en 12 jours, je pense qu'on aura forcément au moins 5-6 collections, quoi. Si on les crafts comme ça, on va faire ça et on va retourner le voir. J'espère qu'il va me dire, oh, t'as crafté des maps, c'est cool. Et puis c'est tout, quoi. Donc on va aller le voir pour avoir bah, des petites nouvelles. Des maïs, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, j'en ai plein, là. Arroser des fleurs x5. Oh, ça, je ferai ça plus tard. Donc ok, il faut fabriquer tous les objets. Donc écoutez, là, tu posais le lit. Poser, pas placer. Enfin lâcher, pas placer. Pour faire ça,
Ah, il me faut 3 affaires aquatiques, ok. Donc attends, on va essayer de pêcher pour faire ça. Comme ça, moi je l'ai aussi. Et je pense que ça va venir au fur et à mesure des jours. Donc je vous tiendrai au courant. Je pense que je referai une vidéo d'ici là. De toute façon, on passera la fête des œufs ensemble, j'espère. Donc là, je vais essayer de pêcher encore 2 petites œufs aquatiques pour pouvoir créer le fameux siège œuf là. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'autres crafts. Donc je pense qu'on aura déjà fait au moins 4 petits trucs. Ce sera déjà pas mal pour cette vidéo. Je suis nulle à la pêche. Le pire, c'est que ça là, ça va être un vieux bar commun. Bah non, regardez un bar commun, parfait. Exactement ce que je voulais, tiens. Tu me files les chocottes, quoi, une guette, t'as piqué. Aïe aïe aïe, ma pauvre. Faut vite te trouver un remède. Bah, donne-moi-en un. Non, mais alors là, j'hallucine. T'aurais pu faire un effort, Laurie, je sais pas. Tu vois que je suis dans la détresse, donne-moi un remède, je sais pas. D'habitude, tu m'en donnes plein. Pas très gentil, hein. Ça te dit que je suis moche. Non, mais alors là, je suis vraiment très choquée de son comportement. Bon, un petit. Ah, voilà, vous voyez les petits ballons là, comme ils sont pas très beaux, mais. Enfin, ils sont mignons, mais pas très beaux à la fois. Enfin, je sais pas comment dire. Pouf. Ça, c'est une recette de craft. I think, vu que c'est dans un cadeau. Mur faite des œufs. Oh. Bon, ça, évidemment, ça ne va pas du tout être un œuf. Bah évidemment, vu que c'est un chinchard. Yep, Minette. Ah oui, au fait, Pamela, d'ailleurs, hier, elle m'a donné un surnom. Première habitante qui me donne un surnom. Ah, coiffe. Oh bah, super. 2 de plus, super. Bon, écoutez, pour l'instant, on veut juste faire le truc aquatique, là. Donnez-nous des œufs aquatiques. Donnez-nous-en. Ah, vraiment, j'ai pépé, là. C'est quoi cette chasse aux œufs qui part un peu en cacahuète? Donnez-moi-en. Allez, des poissons, là. S'il vous plaît. Je crois qu'il vaut pas cher, mais c'est une blague. Pourquoi tous mes outils se cassent dans cet épisode? Heureusement que j'en ai pris un d'avance. Mais donnez-moi des œufs. Donnez-moi ces poissons qui font des œufs. Enfin, les œufs de poissons. Enfin, t'as compris. Bah non, c'est une petite touche d'étang. Oh. Yes, plus qu'un. S'il vous plaît, messieurs, dames, donnez-moi un œuf. Bah voilà, c'est parfait. On va pouvoir faire notre petit siège œuf. On va aller poser à côté du monsieur là-bas. Et on terminera cette vidéo sur ça. La fameuse chasse aux œufs qui est... du fail absolu partout. Toute cette vidéo était juste un fail géant en fait. C'était très sympathique à tourner. Avec mes outils qui se cassent, que je loupe mes poissons. Je suis désolée de vous avoir infligé tout ça. Mais on est là pour subir ensemble. Il n'est pas que moi qui dois subir ce genre de choses. Bon, mon très cher monsieur. Voici encore un objet assez sympathique que vous m'avez demandé de fabriquer. Je sais pas, il y en a combien par contre. Ah! Ça c'est mignon par contre. Ça je trouve ça vachement chou. Je sais pas, c'est une coiffe, ouais, non, c'est pas une... Par contre, le mur, il est horrible. Désolée, mais il est vraiment pas beau. Il est vraiment moche. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vraiment si vous avez galéré comme moi ou pas du tout. Parce que c'est vrai que je suis un peu une galérienne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!